au sein de cette Irlande qui, à l'époque berceau de la foi, était, et toujours, par sa nature, la vision mystique de l'amour créateur et de la présence de Dieu. On dit que l'Irlande est le pays des saints et des érudits. Eh bien, je dirais que parmi tous les saints que l'Irlande a produits, Frank Duff sera sans aucun doute le plus grand. Il n'a jamais voulu chercher d'être un saint, ni un saint, ni un héros. Et pour lui, non. C'était pour faire plaisir au Seigneur qu'il aimait. C'était une personne extraordinairement ordinaire. Et en même temps, naturellement extraordinaire, à bien des égards. N'oubliera que prier est la force de l'homme et que prendre le temps d'être charitable est la clé du paradis. Il est né le 7 juin 1889 à Dublin. Et ses parents habitaient dans un petit appartement qu'ils ont loué à Phibsborough Road. Et après son naissance, ils ont allé dans un autre endroit, pas loin, St. Patrick's Road, Drumcondra. C'était des catholiques ordinaires. Ils vivaient leur foi comme n'importe quelle autre famille irlandaise de ce temps-là. Sa famille appartenait à la classe supérieure, donc ils étaient plutôt aisés par rapport à la norme de l'époque. Sa mère était la première dame à être admise au service civil britannique. Le père aussi est devenu fonctionnaire dans le service civil britannique à Dublin. Lui était le fils aîné de ce couple-là. Nous sommes ici dans la maison de Frank Duff. Frank Duff est venu habiter ici au mois de mars 1927. Nous avons ici la photographie de la famille Duff. Nous avons d'abord Frank, l'aîné de la famille, sa sœur Isabelle à côté, sa sœur Eva. Eva était jumelle, mais sa petite sœur est morte après un an de vie. Son frère, John. Geraldine et la petite Elish, l'enfant préféré de Frank. Il aimait énormément sa mère. Il parlait d'elle et aussi de sa famille très joliment, avec beaucoup de tendresse. Ses parents étaient des gens très cultivés. Ils avaient une grande bibliothèque et, avant même d'entrer au collège, Frank Duff connaissait des ouvrages de théologie. C'était tout à fait inhabituel d'avoir une telle éducation. Lorsque son père a fait des progrès dans son travail au service public, ils sont allés à Kingstown, c'est-à-dire aujourd'hui Dunleary. Il allait tous les matins avec son père se baigner, nager au 40 Foot. C'était un endroit réservé pour les hommes. Et les hommes se baignaient là-bas en été et aussi en hiver. Il nageait, comme nous venons d'apprendre. Il jouait au tennis et il jouait au cricket et il courait. So, oui, il était sportif. Jeune homme, il était passionné de sport.
surtout le tennis. Il adorait suivre Wimbledon. Il se souvient avoir vu jouer Suzanne Lenglen, la célèbre joueuse française. Et ça a été un des grands moments de sa jeunesse. Il allait au collège voisin de Black Rock, où on pratiquait tous les sports gaéliques, aussi que les sports de la Grande-Bretagne, surtout le rugby. Il n'aimait pas beaucoup jouer au rugby, mais il pratiquait le cricket. Les étudiants externes avaient leur propre équipe et il avait été choisi pour en être le capitaine. Il a été blessé par une balle reçue sur l'oreille. Sur le coup, il ne s'est pas rendu compte de la gravité de l'accident, mais il gardera des séquelles et toute sa vie, il aura des problèmes d'audition. Le collège avait été fondé par des prêtres français et il y a reçu une éducation française traditionnelle. De là vient son amour de la langue française et son intérêt pour la spiritualité française provient en grande partie de l'exemple de ces missionnaires qui enseignaient au collège de Blackrock. Celui qui l'a marqué le plus, c'est le père Ebenreich, qui venait d'Alsace. Il lui a transmis l'amour de l'Eucharistie, c'est lui qui organisait des retraites, et Franck disait que ça a eu une très grande influence sur le reste de sa vie. Il était premier de sa classe dans pratiquement toutes les matières. À l'époque, on apprenait 4 ou 5 langues. Le latin, le grec étaient obligatoires dans le collège, en plus du français, de l'anglais et de l'irlandais. Il s'intéressait beaucoup aux sciences. En fait, il s'intéressait vraiment à tout. Il suffisait de regarder sa bibliothèque. Vous aviez des livres de sciences, de géographie, d'histoire, la vie des saints, mais aussi des œuvres du cardinal Newman, qu'il a commencé à lire durant son adolescence. Nous sommes dans l'église de l'école bâtie en 1868. C'est ici que Franck Duff a préparé sa première communion. À l'époque, les garçons étaient un peu plus vieux qu'aujourd'hui. C'est le père Ebenreich qui avait d'ailleurs construit l'église, qui les a pris en charge pendant ces 3 jours. Il avait tout préparé dans le moindre détail, ce que chaque garçon devait faire, quelle prière il devait dire. Franck Duff est allé se confesser la veille au soir, mais il a eu le sentiment de ne pas l'avoir fait assez convenablement. Alors le lendemain, avant que la cérémonie ne commence, il a demandé la permission de refaire sa confession. C'était tout à fait inhabituel, mais cela vous montre son courage et son désir de faire ce qui est juste. La mère a bien connu que Frank était très intelligent et son père a eu de l'ambition pour son fils aîné. Mais malheureusement, après l'école, il n'y avait pas de l'argent d'aller à l'université. Et il a dû travailler. Lorsqu'il a quitté le collège, il a pris l'examen pour aller dans le service public. Et à ce moment, c'était service public de l'Irlande et Grande-Bretagne en 1908. Et il a gagné la première place des étudiants irlandais. Il est entré dans le département de terre, the Land Commission. Jeune fonctionnaire, il avait pour habitude d'aller au couvent de Marie Réparatrice sur Marian Square à Dublin pendant sa pause déjeuner pour prier devant le Saint-Sacrement. Et le soir, après le travail, il revenait faire une autre heure sainte. Sa vie était profondément marquée par la dévotion à l'Eucharistie. Un de ses collègues, Jack O'Callaghan, invita Frank Duff à venir assister à une réunion de la société Saint-Vincent de Paul.
Il a fallu insister car Frank, qui vivait dans la bonne société, n'était pas d'emblée intéressé. Pour bien comprendre l'impact que cela a eu sur sa vie, il faut se souvenir que Frank venait de la classe moyenne et qu'il n'avait jamais eu de contact avec les pauvres de Dublin. À l'époque, Dublin traversait une période de pauvreté terrible. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. C'était peu de temps après la grande famine en Irlande où tant de nos compatriotes sont morts ou ont dû émigrer. La pauvreté à Dublin était vraiment incroyable. Vous savez, j'ai longtemps travaillé en Inde et je sais ce que c'est que la vraie pauvreté. Eh bien, je pense qu'on peut dire que, à bien des égards, le Dublin de cette époque n'était pas très différent du Calcutta des années 60, 70 ou 80. Of the 60s, 70s, 80s. And by frequenting these places, as you do, en fréquentant ces endroits avec la société Saint-Vincent de Paul, ses yeux se sont ouverts. Et ce n'est pas seulement son travail de visite des pauvres, mais aussi le fait d'être en contact avec des hommes qui avaient une foi profonde, qui lui ont fait prendre conscience que c'est la foi qui animait la charité. Il a découvert ce lien entre la foi et la charité parce que ces hommes l'ont emmené dans des retraites, notamment avec des jésuites. Il est entré en contact avec la spiritualité jésuite. Il est allé à Loudoun, dans le comté de Donegal, où l'on prie. On est pieds nus et on jeûne pendant 3 jours. C'est un pèlerinage difficile qu'il va commencer à faire chaque année et qu'il continuera à faire pendant 49 ans par la suite. Il a commencé à prier le chapelet, puis à aller à la messe tous les jours. Donc, sa spiritualité a soudainement décollé grâce à Saint Vincent de Paul. Son âme a vécu une révolution. Une révolution très profonde. Et la phrase qui est restée gravée dans son esprit était: ce que vous faites aux plus petits d'entre vos frères, c'est à moi que vous le faites. C'était cela, la spiritualité de Saint Vincent de Paul. Et cette phrase de l'Évangile a eu un impact énorme sur lui. Il a donc travaillé pour les pauvres, est devenu ami avec eux, par la grâce, je suppose, tout de suite à l'aise dans les bas-fonds. C'est extraordinaire, les amitiés qu'il a construites pendant ces années et qui ont continué toute sa vie. Quand il est devenu membre de la Société Saint-Vincent de Paul et aussi dans sa vie de fonctionnaire civil, il rencontre des gens avec des problèmes. L'ivrognerie était un des problèmes et il cherchait à un certain moment aider Joseph Gabbett, cordonnier pour l'armée britannique, qui avait ce problème-là. Et il avait voulu descendre à l'abbaye de Montmalery pour se soigner pendant une semaine ou deux. Il avait pris connaissance déjà des œuvres de Saint-Louis-Marie de Montfort, mais il les trouvait trop exaltées, trop hors de ses possibilités à lui. Le moine lui avait dit: est-ce que vous avez besoin d'un livre? Il avait dit: un livre? Mais oui! J'ai grand besoin d'un livre, qui m'expliquerait ce qui est la Sainte Vierge dans sa totalité, mais que je puisse comprendre. Alors, le moine l'avait trouvé, ce livre-là, The Knowledge of Mary, la connaissance de Marie. Et un livre écrit par un prêtre italien qui travaillait aux États-Unis. Januarius de Concilio. Après, il a pu accepter Montfort. So, c'est un livre clé dans la vie de Frank Duff. So, une position d'honneur dans le musée. He got an utter conviction. Il était convaincu que, en fait, chaque mot de Montfort était vrai.
que malgré le langage fleuri, poétique et amoureux, c'est la messe quotidienne où il recrutait des gens pour assister à la messe chaque jour et recevoir la Sainte Communion. Je suppose qu'il était influencé par l'enseignement de Pie X sur la communion fréquente, mais aussi par son intime conviction sur l'Eucharistie. Son approche de l'Eucharistie me rappelle beaucoup celle de Mère Teresa. Un jour, j'ai dû diriger une retraite pour les missionnaires de la Charité à Calcutta. Je n'avais que 26 ans à l'époque. J'étais un jeune missionnaire. Je suis allé voir Mère Teresa pour lui demander ce que je devais dire aux sœurs. Quel était son charisme? Elle m'a répondu, « Vous savez, mon père, notre charisme est très simple. On part de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie vers la présence de Jésus, pas chez les pauvres, mais chez les plus pauvres d'entre les pauvres, ceux dont plus personne ne veut, les délaissés, ceux qui sont tout seuls et qui luttent pour survivre. C'est ça notre charisme, mon père, c'est très simple, et c'est ça que vous devez rappeler aux sœurs. » Et c'est exactement, mais exactement, la spiritualité de Frank Duff. On dit que l'Irlandais n'est jamais en paix que lorsqu'il se bat. Au souvenir de cette dramatique guerre d'indépendance, les yeux des Irlandais s'embuent. Les larmes qui coulent sont amères, dit un proverbe, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. Frank Duff, lui, savait déjà qu'il allait devoir lutter toute sa vie contre l'opposition du clergé, qu'il accuserait d'interférer dans le travail des prêtres. Il est difficile de déterminer les rôles exacts du soulèvement de Pâques en 1916 et de la guerre civile au début des années 20, parce que c'était une période de grands bouleversements politiques. Frank Duff était fonctionnaire, et il le sera de 1908 à 1934, l'année de sa retraite. Il était donc partie prenante de tout cela, de par son poste au ministère de l'Agriculture, puis au ministère des Finances. Il a été un des premiers fonctionnaires transférés du gouvernement britannique vers la Nouvelle-Irlande libre en 1922. Donc il était au courant de tout ce qu'il se passait, car il a vécu ça de l'intérieur. Et il racontait une ou deux anecdotes dans lesquelles il allait en vélo à des réunions ou visiter des gens dans le besoin pendant un couvre-feu, ou alors que la ville était le théâtre d'activités militaires, mais il n'a jamais voulu prendre les armes. Il croyait beaucoup à une approche pacifique et à la négociation. La première chose qu'il a écrit et publié a été le livre « Un saint, moi, pourquoi pas ?» dont la première ligne est « Chaque catholique est appelé par Dieu à être un saint. » Frank Duff décrit des étapes très simples et très concrètes pour suivre le chemin vers la sainteté. Faites du bénévolat. Engagez-vous pour quelque chose. Visitez les pauvres. Suivez un régime de prière quotidien. Allez à la messe tous les jours. Priez le chapelet. Confessez-vous. Des exercices sacramentels simples. Et remontez-vous les manches et engagez-vous dans des activités bénévoles. Et Franck ne l'a pas juste écrit, il l'a fait lui-même. Si vous lisez La vie des saints, vous vous dites Saint-Louis-Marie de Montfort, comment arriverai-je un jour à atteindre ce niveau de sainteté? Lui dit, non, non, eux ce sont les phares, les sommets de la sainteté. Pour nous autres, c'est un travail ordinaire, quotidien, l'effort de bien remplir notre devoir. Voilà, c'est ça être un saint. Au début des années 1920 et avant, il n'y avait que les hommes qui faisaient partie de la Société Saint-Vincent de Paul. Vous ne pouviez pas y entrer si vous étiez une femme. Donc un jour, des femmes sont venues voir Frank Duff pour lui dire qu'elles aussi voulaient faire quelque chose. Alors il a organisé une réunion pour leur parler de la vraie dévotion. Quand ils sont entrés dans la salle pour la réunion,
Une des filles avait érigé un autel. Un autel avec Notre-Dame de l'Immaculée Conception, deux bougies et des fleurs. Et pour Frank, c'était comme si Marie inaugurait la Légion. Ce fut la première réunion de la Légion de Marie, un premier exposé, ce qu'on appelle une allocutio, qui a été donnée cette première soirée du 7 septembre 1921, relativement au corps mystique du Christ. Et la semaine suivante, s'est formé ce groupe de femmes. Frank et un prêtre étaient les deux seuls hommes. Et ainsi était née la Légion de Marie. Ces jeunes femmes travaillaient dans des magasins, des blanchisseries, des restaurants. Des jeunes femmes qui étaient inspirées par la vraie dévotion à Marie et qui ont découvert les besoins des pauvres, notamment les malades et les mourants de l'hôpital pour cancéreux de Dublin. À cette époque, on n'allait pas là-bas, car les gens ne comprenaient pas ce qu'était le cancer. Donc si vous aviez un cancer, c'était comme avoir le sida à ses débuts. Vous étiez mis de côté. Il y avait donc plein de gens abandonnés à qui personne ne rendait visite et qui mouraient misérablement. Alors ces femmes y sont allées. Elles s'asseyaient auprès des malades, les aidaient et les réconfortaient. Et puis, l'objectif suivant a été de s'attaquer au problème des filles de rue et à la prostitution dans Dublin. Tout ça n'était pas prémédité ou calculé. Ça s'est développé naturellement. Les premières années, la Légion était quasiment exclusivement composée de femmes. Pour la bonne et simple raison que Frank ne voulait pas concurrencer la société Saint-Vincent de Paul. Si la Légion avait démarré avec des hommes, il aurait emmené beaucoup de ses anciens collègues avec lui et il pensait que ça n'aurait pas été juste. D'une certaine façon, les deux organisations sont complémentaires. La société Saint-Vincent de Paul s'occupe de la pauvreté matérielle, alors que la Légion s'intéresse plus à la pauvreté spirituelle que Frank avait rencontrée quand il était à Saint-Vincent de Paul. Il arrive que la société Saint-Vincent de Paul rencontre des gens en détresse spirituelle, et elle fait son possible pour les aider. De la même façon, la Légion doit parfois faire face à la pauvreté matérielle. Elle demande alors de l'aide à Saint-Vincent de Paul. Donc, les deux se complètent très bien. Il a vite remarqué qu'il y avait là une matière pour une formidable conquête des âmes. Tous les éléments étaient présents. L'invocation du Saint-Esprit, la prière du chapelet en commun, la répartition des tâches et des responsabilités. Il voyait que la grâce faisait déjà son œuvre, qu'il faisait un travail concret, un travail spirituel qu'il n'aurait jamais rêvé pouvoir accomplir. Et la Légion s'est spécialisée dans ce domaine car on n'avait pas besoin de formation particulière, juste suffisamment de foi pour être capable d'évangéliser. Et il a vu tout cela se développer. Et parce qu'elle était authentiquement et profondément catholique, il a pensé que la Légion pourrait fleurir partout autour du monde. La Légion, from its first moment, was in the hands of the Blessed Virgin. And building on that idea, I ventured on the prognostication to them that they would encompass the whole world. They thought it so funny that they must have consumed the best part of 5 minutes in uproarious laughter. Such was the respect with which my prophecy was treated. In 1932, en 1932, des évêques sont venus du monde entier pour le congrès eucharistique. Beaucoup voulaient en apprendre davantage sur ce nouveau mouvement laïque qui était né à Dublin. Et pendant le congrès, ils sont entrés en contact avec Frank Duff au quartier général de Dublin et ont ramené avec eux la Légion dans leur pays. On dit que ça a été l'épiphanie de la Légion de Marie.
of the Legion of Mary. The first purpose of the Legion is for Le premier objectif de la Légion est pour nous-mêmes. Devenir de meilleures personnes, développer notre spiritualité, vivre mieux notre engagement de chrétien. Le second objectif est d'aider les autres à faire de même. On ne prêche pas, mais on les encourage à faire leur possible pour mener une vie meilleure. On essaye de leur rendre la dignité qu'ils méritent. Le rôle donné aux femmes dans la Légion était extraordinaire. On envoyait des femmes sans expérience, et partout dans le monde. Edelle Quinn en est l'exemple parfait. Elle n'avait pas 30 ans, elle a été envoyée en Afrique, et sans aucune formation. The little lady rose up and said that all these difficulties referred to by Dr. McGinnis had been elaborately explained to her. That there was no effort whatever made to minimize her task. And that that's what she wanted. She wanted a difficult assignment. And then she said the celebrated phrase, I don't want to be sent off on any picnic. Il aimait beaucoup Edelle. Sans doute, elle était une personne très spéciale, une femme qui attirait d'autres. Et je pense qu'il aimait beaucoup et que c'était extraordinaire qu'il l'a envoyé à sa mort, parce que c'était lui surtout qui l'a aidé à aller en Afrique à sa mort. Et elle l'a bien voulu, mais pour Duff, c'était parce que il a vu les choses avec les yeux d'éternité. Il a cru que c'était son destinée. Et elle était extraordinaire. Edelle était jeune fille qui a dit au revoir à sa famille et qui est partie en Afrique lorsque on va et on ne revient jamais. In all the convents where she went, many of which she stayed, every one of them had the same sort of cry about her. The Carmelites, for instance, of Nairobi, declared that her visits to the Carmel were like the visits of an angel, leaving a perceptible atmosphere behind. That's the idea of making saints or a saint. Il y a là l'idée de fabriquer des saints. La Légion se voit comme une machine à faire des saints. C'est le principal objectif de ceux qui s'engagent dans la Légion de Marie. Lorsqu'on ouvre le manuel à la première page, il est écrit l'objectif premier est la sanctification de ses membres. Ça se fait évidemment à travers la prière et l'apostolat. Donc oui, la Légion propose de s'atteler à cette tâche, mais quand on y pense, n'est-ce pas le but de tout catholique? Rejoindre le paradis, un point c'est tout. Et il suffit de regarder quelques-uns des membres importants de la Légion à travers le monde, notamment Franck lui-même, la vénérable Edelle Quinn et Alfie Lamb, le serviteur de Dieu, qui sont trois merveilleux exemples de saints en devenir. En Europe, c'est, le recrutement pour la Légion de Marie est difficile en ce moment. Le nombre de membres diminue d'année en année. Mais en Afrique et aux Indes, en Amérique du Sud, les chiffres sont énormes. Ils ont plus de 50 000 membres au Burundi et au Rwanda, 70 000 membres au Rwanda, malgré ce qui est les événements là-bas. Et c'est intéressant en ce qui concerne ces pays-là. Moi, j'étais au Burundi et j'avais demandé à l'aumônier national de la Légion de Marie, est-ce que les Légions de Marie, il y avait des légionnaires qui ont pris part aux atrocités? Et il m'avait répondu, mais parce que les atrocités se faisaient partout, ce serait difficile à vous répondre.
Mais nous ne connaissons même un seul légionnaire qui a pris part comme ça aux atrocités. Mais ce que nous connaissons vraiment, c'est le grand, grand nombre de légionnaires qui ont perdu la vie en protégeant des gens que des autres cherchaient à tuer. This little man, I don't know, 5'7", ce petit homme d'à peine 1m70, tout fluet, si ordinaire, plein de courtoisie et d'attention envers les autres, qui aimait rire et avait un grand sens de l'humour, et pourtant une grande profondeur. C'est cet homme qui a passé pratiquement toute sa vie dans un peu plus d'un kilomètre carré de Dublin et qui a influencé le monde entier. Presque chaque pays du monde aujourd'hui a la Légion. Deux tiers des diocèses de l'Église ont la Légion de Marie. Et tout a commencé avec ce petit homme. Le petit homme qui savait, lui, que les humains vivent en trouvant refuge les uns dans le cœur des autres, n'ignorait pas que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Il était ce qu'il faisait et faisait ce qu'il disait. C'est pourquoi il a laissé son empreinte aux quatre coins de son océan d'herbe. À l'abbaye de Mount Melray, où l'on contemple avec ravissement l'arbre qu'il a lui-même planté, on se rapporte les propos de ce juste, sans doute inspiré par le pape Adrien VI, qui proclamait en 1523 que « le rosaire est fouet du démon ». Jamais il ne perdit la foi. À ceux qui doutaient, il répondait « si vous aviez vraiment perdu la foi en Dieu, vous le sauriez, et la vie ne serait plus supportable pour vous ». Je l'ai rencontré pour la première fois en 1949. Il est venu pour démarrer la Légion de Marie au collège de l'abbaye. Il venait au monastère depuis des années et il avait dans l'idée que certains étudiants qui allaient se consacrer à la prêtrise pourraient plus tard devenir directeurs spirituels de la Légion. Franck Duff venait chaque année. Il avait pour habitude de descendre dans l'église très tôt le matin, dès 4 heures, pour la messe. Il m'apparaissait, comme je suppose à beaucoup de monde, comme un homme calme, paisible. Même s'il devait avoir beaucoup de travail avec l'administration de la Légion et beaucoup de gens à rencontrer, il ne semblait jamais préoccupé par ça. Chaque année, le petit groupe de la Légion qui venait avec lui avait pour habitude de monter une petite pièce humoristique dans la salle de réception. Franck s'asseyait, toujours les jambes croisées. Pour savoir s'il s'amusait, il fallait regarder sa jambe droite. Lorsque Franck s'amusait, sa jambe se balançait. Sinon, elle restait immobile. Quand je suis devenue présidente ici à Dublin, j'ai demandé à lui parler et il m'a gentiment reçu. Il a passé toute une soirée avec moi. Il m'a beaucoup encouragé et m'a suggéré de reconnaître le potentiel de chacun et de chercher comment utiliser le talent de chaque personne. C'était vraiment intéressant pour moi qui étais une novice. Et il a vraiment pris le temps de parler avec moi, alors que je n'étais personne pour lui. Mais il a été comme ça avec tout le monde, année après année. Il suffit de regarder ses lettres. Chaque fois que vous lui écriviez, il vous répondait méticuleusement. Ensuite, même si vous ne lui écriviez pas pendant 6 mois, il se souvenait très bien de ce que vous lui aviez dit ou de votre problème et vous demandait des nouvelles. Il avait cette qualité de se souvenir des histoires de chacun et de pouvoir reprendre des conversations là où elles s'étaient arrêtées. Il était un homme très, très intelligent. J'ai rencontré des gens qu'on disait étaient intelligents dans la vie académique, mais il avait une intelligence différente. Il était capable de...
d'analyser un problème et il avait un très bon sens du jugement dans les affaires religieuses et aussi dans les affaires publiques, soit les choses politiques aussi. Son génie a été d'appliquer avec beaucoup de méthode à la Légion de Marie ce qu'il avait appris en tant que fonctionnaire. Motiver les gens, surtout ceux que vous pensiez être les moins qualifiés pour faire le travail qui leur était demandé. Il a eu le génie de voir qu'avec une matière ordinaire, le Saint-Esprit peut accomplir des choses extraordinaires. Ça tient vraiment du génie. Et vous voyez, pour moi, ce n'est pas un homme pieux, vous savez, le genre de saint avec une auréole sur la tête. Cette idée ne correspond pas à ma façon de le voir. Il était au contraire très méthodique, perspicace, capable de décomposer un problème, de l'analyser, de le contourner et de dire « il y a une solution, on peut s'en sortir ». Était-il mystique, tel Jean de la Croix ? Avait-il des visions, des révélations, des inspirations divines ? Lui vous aurait répondu non, d'une manière catégorique. Il disait même qu'il priait contre cela. Il priait pour ne pas avoir des manifestations de ce genre. Et il rejetait cela. Parce qu'il disait, nous avons l'Église, pourquoi aurions-nous besoin de messages supplémentaires, de visions ? L'Église nous guide, c'est notre certitude. Donc, non. Il n'avait aucun désir de mysticisme. Il disait souvent, il faut savoir au début de toute action ce qui est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, mais selon un raisonnement humain. Pankhoff et son groupe essayaient de trouver un logement ou un endroit pour les sans-abri. Et on lui avait mis ces bâtiments à disposition. Mais il avait fallu changer de domicile d'un endroit assez aisé dans la ville pour venir ici où il n'y avait que la pauvreté. C'est ce mois-là qu'on avait établi le premier refuge pour les hommes, c'était le Morning Star. Frank pensait qu'il leur fallait un endroit où ils pourraient avoir de vrais repas, se laver et s'habiller, où l'on pourrait les aider à se reconstruire. Donc, il a commencé par le foyer du Morning Star, puis le foyer Regina Celi, pour les femmes qui étaient dans les mêmes conditions, des mères non mariées, des femmes alcooliques, ou avec d'autres problèmes. Et le reste de sa vie, presque 60 ans, s'est partagé entre ces deux foyers. Un jour, j'ai demandé à un homme vraiment brisé, un alcoolique en marge de la société qui était résident du Morning Star, « Que pensez-vous de Frank Duff ? » Dites-moi la vérité. Il s'est arrêté et m'a répondu, « Mon père, c'est le seul homme que j'ai jamais rencontré, qui m'ait témoigné du respect. » Pour les pauvres, il se battait bec et ongles. Il y a une histoire intéressante à propos du foyer Regina Celi pour les femmes sans domicile. En 1963, 30 ans après sa création, il était menacé de fermeture. Et Frank s'est vraiment battu pour défendre le foyer. Il a menacé de s'enchaîner aux grilles de la porte et de faire un scandale public pour empêcher la fermeture et que les femmes soient jetées dehors. Il avait cette force de caractère en lui. Il était très déterminé. Un jour, un pauvre petit garçon est venu sonner chez lui. Frank a ouvert la porte.
Il était dans un dénuement total et n'avait nulle part où aller pour la nuit. Donc, Frank l'a fait entrer et lui a donné un lit et à manger. Et le lendemain matin, lorsque Frank est descendu, eh ben, le garçon était parti. Alors il a demandé à la gouvernante, il y avait un jeune garçon ici dans le salon. Et elle a répondu, oui, un magnifique petit garçon, un merveilleux petit garçon. Mais il est parti ce matin à l'aube. Et Frank était convaincu qu'en fait, c'était Jésus. That in fact it was the Lord. Qu'y a-t-il de comparable au ciel irlandais, à cette terre, à ce climat qui réussirait à adoucir pour la vie l'esprit le plus lent et le plus inflexible, demandait George Bernard Shaw. Où le soleil se couche-t-il avec tant d'éclat, feignait de s'interroger Turner. S'il est bien une question, en revanche, qu'en Irlande on ne se pose jamais, c'est « Où Frank Duff puisa-t-il la force de redonner espoir à tant de malheureux ?» Car la réponse, chacun la connaît. La Légion fut toute sa vie, parce que Marie était sa vie. En Irlande, où le trèfle à trois feuilles est, depuis que Saint Patrick l'utilisa dans un sermon pour tenter d'expliquer le grand mystère de la Sainte Trinité, à la fois symbole du catholicisme et un signe du patriotisme, tous les chemins mènent à l'espoir. Car l'espoir, dit-on, c'est ce qui meurt en dernier. C'est bien un message d'espoir que nous a laissé le petit homme. Telle est la vie, nous dit-il. Les choses ne nous sont données que pour être brisées ou nous être retirées, sauf l'essentiel. Il emportait son appareil photo avec lui, un bon appareil pour l'époque. Et sur celui-ci, il avait mis une petite statue de Notre-Dame, à l'endroit du flash. Il était assez habile de ses mains et avait réussi, en bricolant, à glisser la statue dans l'emplacement réservé au flash de l'appareil. Et quand il prenait une photo d'un beau paysage d'Irlande et qu'il y avait des touristes autour de lui, il utilisait ça pour entrer en contact avec eux. Il prenait sa photo et aux touristes qui étaient là, il disait « Regardez, regardez qui m'aide sur mon appareil ». C'était la petite statue de Notre-Dame. Et il prenait la photo. Dans le modeste musée de Dublin, où l'on lui rend hommage, l'appareil photo de Frank Duff est toujours là. Hélas, le petit oiseau n'en sortira plus jamais. Son vélo, divers objets lui ayant appartenu, nous émeuvent. Recueillis, l'on s'attend à l'entendre nous rappeler ce que disait Jean 23. Si Dieu est notre Père, il s'ensuit que nous sommes tous frères. Frank Duff était lecteur omnivore. Il aimait surtout les romans policiers. Et au-delà de ça aussi, il aimait les donner à ses amis pour lire aussi. Et des gens venaient lui demander, « Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau pour me donner ?» Nous sommes en train de regarder une photographie d'une audience donnée par le pape Paul VI à Frank Duff à la fin du Concile Vatican II, où Frank avait dit au Saint-Père, il va y voir une tempête maintenant, la situation serait bien difficile pour la Légion de Marie. Et le Saint-Père lui avait dit, mais la Légion de Marie a servi l'Église avec fidélité et l'Église va protéger la Légion de Marie. Pope Paul said, what I like is most about the Legion of Mary is that it knows how to use the little people. The fact that as a layperson he was called, le fait que simple laïc il ait été invité comme auditeur au Concile Vatican II fut une immense consécration. Le cardinal Heenan de Londres a présenté Frank Duff. Tous les évêques se sont levés et l'ont chaleureusement applaudi. C'était prodigieux. Frank Duff avait, même avant la Légion de Marie, même avant la dévotion à la Sainte Vierge, une dévotion spéciale envers Jésus. Il avait ce tableau ici,
devant son lit. Quand il est mort, il était là, mais les yeux déjà toujours ouverts, regardaient en cette direction. Certes, nous sommes tous des pèlerins sur la route du ciel. Néanmoins, certains d'entre nous, plus que d'autres, laissent une empreinte indélébile. Le petit homme est de ceux-là. À jamais, nous nous souviendrons de son authentique et exemplaire sainteté, qui l'habita jusqu'à sa mort et qui le conduisit à se donner toujours de plus en plus et en toutes choses à lui par elle. Il est mort le 7 novembre 1980. Je me rappelle les nouvelles sur la télévision le soir. C'était son mort était annoncée après la mort de Steve McQueen. Steve McQueen vient de mourir le même jour. Mais après l'annoncement, quelque chose s'est passé que il y avait beaucoup d'intérêt autour du monde. Il y avait de gens qui sont venus à Dublin. Il y avait une procession au cimetière de Glasnevin. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans la rue, partout, au centre de Dublin. When he was buried, Cardinal à son enterrement, le cardinal Fee, cardinal pour l'Irlande à l'époque, a décrit Frank Duff comme l'Irlandais du siècle. Mais depuis, il n'a pas vraiment trouvé sa place dans l'histoire. En partie parce que la Légion de Marie reste discrète. Elle a mis du temps à ouvrir les archives aux historiens. Donc c'est un peu pour cela que Frank n'est pas assez connu. Les historiens aimeraient en savoir plus, mais ils n'ont pas accès à la matière. Dernièrement, maintenant que la cause est en cours, ça change sans aucun doute, et on commence à en savoir plus sur lui. Frank Duff s'est dressé pour donner un rôle nouveau aux laïcs au sein de l'Église, et spécialement à ceux qui ont une faible formation à œuvrer pour le salut des âmes. Ou pour le dire plus simplement, Frank Duff a passé sa vie à essayer d'envoyer les gens au paradis. De voir le Christ en chacun, de les traiter avec amour et dignité, c'est cela le plus grand message qu'il nous a laissé. Frank Duff va devenir un immense saint parce que son héritage continue. Et son héritage a le potentiel de faire encore plus de bien pour l'Église. Ma façon de le résumer est de dire que Frank Duff a été à Dublin pendant sa vie ce que Mère Teresa a été à Calcutta pendant la sienne. Il servait les autres de tout leur cœur. L'on s'interroge, Frank fut-il cette âme noble que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait prophétiquement décrite quand il écrivit il y a plus de 2 siècles « Mon travail sera bien récompensé si ce petit livre, le traité de la vraie dévotion, tombe un jour dans les mains d'une âme noble, un enfant de Dieu et de Marie ».